Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Je t'ai fait des vidéos programmes de sport, je t'en ai fait plein, des programmes complets et gratuits. Mais j'ai oublié une chose essentielle, de te montrer les échauffements, d'accord? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, beaucoup de personnes aussi qui me suivent, qui font mes programmes. Ça fait vraiment plaisir, d'ailleurs je vous remercie énormément. Mais les gars, faut s'échauffer avant, faut vraiment s'échauffer. Je le dis parfois dans certains programmes, pas tous, je sais pas si vous le faites, mais faut s'échauffer. Et aujourd'hui, je te propose un petit échauffement simple, basique et efficace pour tout le monde. Petite astuce, ce que je te conseille, c'est que dès l'échauffement, tu prépares ton eau, tes BSA et tout, tout est prêt. Et aussi, si tu as un booster à prendre, prends-le maintenant, d'accord? Parce que le booster, ça n'agit pas tout de suite. Prends soit un café ou ton booster là, avant de faire l'échauffement. Comme ça, pendant ton échauffement, il va agir tranquillement et tu seras prêt pour ta séance. Première des choses, hop, rotation des poignets. Tranquillement, on essaie de faire au moins 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre sens. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis pas très souple des poignets, ok? Mais c'est très important. Faire des petits mouvements, hop, comme ceci, pour les détendre. Faire ça aussi pour les détendre, c'est important. Faire des, hop, des petits mouvements indépendants, comme ça. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Peut détendre les poignets tranquillement. Hop. Là, je ne te demande pas de faire 10 000 séries, hein, d'accord? Une série ou deux. Si tu sens que tu as mal au poignet, tu peux faire 3 ou 4 séries comme ça. Comme ça. Moi, je fais juste une, histoire de bien me chauffer tranquillement et être bien. Parce que les poignets, c'est très important. Dans tous les exercices, que ce soit pour les bras, pour les pecs et tout, il faut que ton poignet soit là. Il faut qu'il soit échauffé parce que si tu te blesses au poignet, c'est beaucoup de mouvements que tu ne pourras pas faire en musculation. Donc, c'est important. Pareil pour les épaules. Au niveau des épaules, on va faire un échauffement simple. Ok, hop. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8. 9 et 10. Pareil dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on est bien. Moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je sais que mes épaules vont être sollicitées, c'est que je fais le même mouvement, mais comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre sens. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on détend tranquillement. Les épaules, c'est important. Il faut bien les chauffer, d'accord? Parce que presque tous les exercices haut du corps engagent tes épaules. C'est comme les poignets, d'accord? Si tu te blesses à l'épaule, bah, tu peux presque rien faire en musculation à part les jambes. Donc, il faut bien les échauffer. Pour moi, ce qui est primordial, c'est passer
un peu de temps sur les poignets et un peu de temps sur les épaules. Le reste, pour les pecs, pour les biceps, pour les triceps et tout, ça sera avec des exercices, ok? Avec les pompes, avec les tractions, tranquillement. Même avant de faire des tractions, l'idéal, c'est de faire quelques petites rotations, comme ça, tranquillement. Ce qu'on avait fait pour les épaules, avant de les faire directement, ok? Il y a aussi un exercice intéressant, un truc intéressant que je vais te montrer. Il faudra prendre une barre ou des haltères. Quand tu as un problème qui arrive, il se peut que tu aies un programme bras ou un programme pec ou un programme dos qui vient, d'accord? Donc moi, je te conseille de prendre soit une barre vide, soit des haltères. Mais une barre vide, c'est mieux, ok? Tu peux faire hop, soit 10 mouvements de curl biceps. On va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours à vide, d'accord? Barre à vide. On n'est pas là pour charger des poids, on n'est pas là pour se faire mal. Barre à vide, c'est un échauffement, ok? Intéressant aussi pour les épaules. On continue à échauffer les épaules, c'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on est en supination, d'accord? Maintenant, on prend la barre en pronation comme ça et on fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. On garde cette position-là, très important. On va encore chauffer les épaules parce que voilà, les épaules, c'est fragile. On va faire hop ce mouvement-là. On va rester bien droit, serrer les abdos et essayer de ne pas bouger, en faire 10 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Il y a aussi un mouvement qui peut être pas mal, d'accord ? Qui échauffe un peu plus de parties dans le corps, c'est ce mouvement-là. Hop, tu commences comme ça, en pronation, hop, 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 hop. Ok ? On va en faire 10. Tu ramènes la barre là, et hop, tu lèves en haut. Tu reviens comme ça, et tu descends, ok ? 10, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Là, tu vois, c'est une barre vide. Donc au niveau du repos, pas besoin de mettre une minute, pas besoin de mettre deux minutes. Tu fais à ton rythme tranquillement, tu prends un truc léger, ok? Pour moi, ça, c'est un échauffement qui suffit. Pas besoin d'aller dans l'excès, pas besoin d'aller trop lourd, parce que après, tu prends le premier exercice que tu fais. Par exemple, si on part sur du curl biceps avec barre Z, au lieu de mettre ton poids de travail, tu mets deux petits disques de ton côté, tu fais une série de 10 tranquillement, et après, tu mets ta charge de travail. Par exemple, si moi, ma charge de travail, c'est 20 kg par chaque côté, je commence avec 5 tranquillement. Après, je mets 10. Ou alors, je commence avec 10 et après, je mets 20. Tout dépend de ma forme. Si je sens que je ne suis pas bien chaud et tout, eh ben, je commence progressivement. Mais ça, c'est que toi qui vas le savoir parce que c'est toi qui connais ton corps. Pour tous ceux qui font les jambes, alors moi, en général, en jambes, ben, j'ai une machine jambes derrière, tu vois. J'ai un leg extension. Je fais du leg extension très, très bas. Toi, si tu n'en as pas, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Tu peux faire des squats sur place, comme ça, tranquillement, une série de 10. Mais en général, en salle de sport, quand je sais que j'ai une séance jambes qui arrive, une grosse séance jambes, je fais 5 minutes de vélo. Sans intensité, sans difficulté, tranquillement, je fais un peu de vélo. Et là, je suis bien. Pour moi, c'est le meilleur échauffement possible, le vélo, pour les jambes. Mais fais pas 30 minutes, 1 heure, 5 minutes, c'est suffisant.
Donc voilà pour cette vidéo échauffement, c'était un peu fast, un peu rapide, mais primordial pour moi si tu veux progresser en musculation et si tu veux continuer aussi à faire la musculation longtemps, parce qu'une blessure est vite arrivée et moi c'est pas mon but que tu sois blessé, tu continues à faire les programmes et je veux que tu progresses, c'est important. Je sais que certaines personnes font des étirements au début de séance, mais moi je vois pas trop l'utilité, les étirements je préfère les faire en fin de séance, ok? Si t'aimais cette vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire. Mais, enfin, rejoins le Discord aussi, c'est important. Dans tous les cas, les liens sont dans la description. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.